Bonjour et bienvenue sur votre magazine du jour sur Infolife.tv en direct de Jérusalem. Infolife.tv s'est rendu à l'est de Jérusalem afin de recueillir le sentiment des Palestiniens sur les violences qui opposent le Fatah et le Hamas. L'ambassade de France s'ouvre au monde à l'occasion du lancement de son nouveau site internet en hébreu. L'ambassade de France à Tel Aviv a organisé une somptueuse réception.